vais travailler avec Mickaël. Mickaël, c'est juste un génie. C'est un type qui a des idées absolument incroyables. Ça fait partie de ces trucs que vous allez haïr tellement il est fort et sain. Ça. Il m'avait déjà impressionné sur la façon dont il réfléchissait. L'idée, c'était de mélanger trois cerveaux. David, Mickaël, moi, pour juste essayer de voir comment on pouvait faire pour apporter la carte la plus facile à faire de toutes les cartes à la vitre. Parce qu'elles sont souvent compliquées, ça demande des setups compliqués auparavant, il y a des bras, des machins, des trucs à faire préparer. On va essayer de faire le plus simple possible, de façon à ce que n'importe qui peut l'acheter. Un twist. Il fallait un twist. À quoi ? Un climax, il fallait qu'il y ait un truc différent, un truc que les autres cartes n'avaient pas. Et puis bah c'est là que Mickaël, bah. Tiens, je vais combiner celle-ci avec celle-ci, le principe de celle-ci avec celle-ci. Des pouvoirs, ça donnerait. Behind the window, can you make sure that the card will be behind the window? Yeah, there it is. What I'm going to do is very simple. Look for me, I can change. Nice! Là, la carte à la vitre, j'ai halluciné quand j'ai vu l'effet la première fois. La pureté de l'effet, c'est presque copperfieldien, c'est ultra clean. On peut le faire dans plein de situations, même quand il y a plein de gens qui nous entourent, parce qu'on peut prendre l'enveloppe ou la serviette. J'ai vu les premières images réalisées avec David Stone, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc, il y a un montage vidéo, parce que je reconnaissais même pas mon tour. On voulait apporter au magicien la carte à travers la vitre, la moins chère du marché. Et celle-là, bah... Une carte, un bout de scotch, boum, youhou! J'ai demandé comment on allait l'appeler, et c'est vrai qu'on a cherché des noms. On a cherché pas mal. Window.